Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Comme je vous avais dit, je pourrais peut-être pas filmer tous les jours. Alors, aujourd'hui on est mardi 4, du coup j'ai pas ouvert le 3 et le 4. Je regarde s'il n'y a pas de paquet supplémentaire, mais je crois pas. Du calendrier de l'Avent. Alors je vais essayer de vous tourner comme ça, je sais pas comment vous mettre. C'est compliqué de filmer là. Normalement, d'ici ce week-end, je devrais pouvoir remonter mon bureau dans le salon. Donc j'aurai au moins mon bureau. Voilà. J'aurai plus de scrap room, mais j'aurai au moins le bureau pour les choses importantes. Donc le 3, il est là. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Oui, je vais au moins essayer de faire. Hop. Ben, je vais vous mettre comme ça et je vais carrément vous baisser. Comme ça, vous allez voir le calendrier de là-haut. Alors oui, je suis assise par terre dans mon salon. Bienvenue. Voilà. Donc alors, le 3, c'est des fleurs, comme ça. Alors ça, c'est trop bien parce que voilà, les fleurs, c'est toujours utile. Alors attendez. Hop. Donc c'est des fleurs rouges de différentes. Enfin, voilà, plus ou moins foncées, on va dire. Du coup, vous ne voyez pas, mais je pense que vous voyez les fleurs. Donc voilà pour le numéro 3 qui était hier lundi. Ben merci beaucoup, maman, pour les fleurs. Les fleurs, c'est toujours utile. Je pense que dans enfin, beaucoup d'échanges, on s'échange des fleurs, mais moi, les fleurs, j'en utilise tellement. Voilà, c'est quelque chose de bien pratique. J'en mets de partout, j'ai envie de dire, parce que j'adore les fleurs. Donc voilà. Donc oui, les choses de la crèche, certaines sont tombées, les sapins sont par terre. Alors, faut savoir que Lola, la petite, elle joue avec les personnages comme si c'était une maison de poupées, en fait, dans mon sapin. Bon, tant qu'elle casse pas les choses et qu'elle joue là en bas, ça va, ça me dérange pas, je lui dis rien, donc voilà. Et ensuite, le numéro 4, il est ici, alors on va découvrir ensemble. Hop là. Alors, c'est de l'encre Easy Ink couleur cire. Du coup, ben, j'ai hâte de l'essayer. Donc voilà, ben, merci beaucoup, maman. Elle savait que les encres Easy Ink, je les aime bien parce qu'elles sont aquarellables et je fais beaucoup de choses avec. Et c'est une couleur que je n'avais pas. Tout ce qui est orangé, tout ça, j'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai pas. J'avais pas. Donc voilà. Donc bah, merci beaucoup. Donc bah, je vais vous remettre quand même qu'on se voit. Ça sera mieux pour discuter. Alors j'ai les cheveux un peu ouais, tout électrique. Donc je vous disais, voilà. Je vais au moins remettre mon bureau pour pouvoir scraper un peu parce que de toute façon, j'ai besoin de scraper ou même de faire des activités manuelles tout simplement puisque moi. J'en ai besoin pour me détendre, hein, on va pas dire le contraire. Enfin, je vais pas. Voilà. Donc je vais essayer de remettre, de démonter mon bureau et de le remonter au plus vite dans le salon. En fait, ce sera là derrière, enfin, à côté du sapin, quoi. Heureusement qu'on a un grand salon cuisine, j'ai envie de dire. Pour l'instant, tout se passe bien avec tout le monde, voilà. Hein. Les enfants qui sont arrivés donc samedi. Ouais, c'est samedi. Ils ont été scolarisés donc à partir de aujourd'hui cet après-midi, je vais pouvoir avoir un peu de temps pour moi, au moins entre les horaires scolaires, ce qui va aussi me faire du bien. Parce que sinon, franchement, voilà, c'est assez compliqué de tout faire avec tout le monde, enfin avec toujours des enfants, voilà, on continue à la maison, ça complique les choses, hein, on va pas se cacher la vérité. Donc au moins déjà s'ils vont à l'école, pour eux, ils reprendront une vie la plus normale possible, on va dire. Parce que bon voilà. Et moi, ça me permettra aussi d'avoir des temps seul, sans personne, où je peux faire ce que. Enfin, voilà, vaquer à mes occupations et tout. Donc ça sera plus pratique rien que pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, si je veux scraper un peu. Ou, voilà. Donc je pense que. Enfin, j'essaierai de faire des vidéos de temps en temps sur la chaîne. Ça ne sera pas autant qu'avant. Parce que je ne pourrais pas. Hein. Pour le moment, voilà. Il faut aussi qu'on trouve une organisation à 7 qu'on n'avait pas avant. Ça, voilà. Enfin, faut qu'on se mette aussi tous en place et que chacun arrive à trouver sa place justement dans cette situation difficile, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Donc, sinon, oui, voilà, tout se passe bien. Hein. Pour l'instant, voilà, ils ont fait leur rentrée à l'école cet après-midi. Vivement ce soir que je les retrouve quand même, que je retrouve tout le monde pour savoir comment ça s'est passé, s'ils ont bien intégré les classes, voilà. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour l'ouverture de la case numéro. Non, demain on est mercredi. Je vais vous dire à jeudi pour l'ouverture de la case numéro 5 et 6, parce que je pense que demain, mercredi, voilà.
J'aurai pas le temps. Donc aujourd'hui, bah, les fleurs pour le numéro 3 et la petite encre pour le numéro 4. Donc bah merci beaucoup à maman. Et alors si vous vouliez voir, j'ai pas pensé à vous le dire avant, le calendrier, elle l'a fait sur sa chaîne en fait en tuto. Donc si ça vous intéresse, la chaîne c'est Ange Coco. Parce que ouais, je vous avais même pas dit qu'il était en tuto sur la chaîne. Et là, elle avait mis un petit diamant. Je crois que j'avais pas tout vu. Une petite feuille comme ça avec un gros lot. Enfin voilà. Voilà. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.